Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoann Mizar pour vous retrouver donc en ce mardi 7 juin 2016. Alors la Closing Bell de ce soir sera écourtée comme je l'avais prévenu ce matin dans le DC's Market Report en effet, car on se retrouvera à 18h non pas dans cette salle de trading mais sur le lien, sur le site GoToWebinar pour un webinaire spécial Brexit. J'en parle tout de suite après l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur FXM et des LFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés à un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Et comme promis, donc voici le lien pour vous inscrire tout simplement au webinaire de ce soir. Alors, il est là. Voici le lien. Ça prend quelques secondes, si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le, même si vous ne serez pas disponible ce soir. Inscrivez-vous, cela vous permettra tout simplement de recevoir par email la rediffusion de cette présentation. Donc inscrivez-vous, voilà, il y a simplement 4 champs à remplir. Je vous joins sur le lien, sur le chat, le lien d'inscription. Voilà, c'est fait, n'hésitez pas, et ça prendra quelques secondes. Et donc, on se retrouvera à 18h. Alors, un mot tout de même sur les marchés. Séance boursière haussière aujourd'hui, le CAC 40 qui en effet rebondit après deux séances de baisse, hein, marquées notamment par le mauvais rapport NFP. Mais Janet Yellen a soutenu hier les marchés, indiquant que l'économie américaine allait mieux, se portait mieux. Et elle a également indiqué que le resserrement monétaire de la réserve fédérale se ferait finalement de manière prudente. Le marché a salué ces déclarations. Et donc le CAC 40 qui sur le marché au comptant prend dans les derniers échanges 1,27%. Le DAX lui prend 1,59% et l'indice pan-européen Eurostox 50 prend 1,32%. Wall Street a également ouvert en hausse puisque l'indice Dow Jones, le principal indice de Wall Street, prend 0,40% au moment où je m'adresse à vous. Voilà donc pour les indices européens. Le DAX également, donc qui est aussi et qui se dirige vers son niveau de résistance à court terme à 10 350 points. Les 10 500 points sont également envisageables. Le DAX réintègre un canal ascendant qu'il a pourtant quitté à deux reprises, mais il a tenu donc ses niveaux de support à 9 750 et 10 000 points. L'euro dollar qui logiquement et par effet notamment de corrélation consolide paradoxalement, car en effet le dollar américain est fragilisé hein, d'une part par le NFP mais d'autre part par ces fameuses déclarations de Janet Yellen donc hier, mais le dollar américain finalement profite de rachats à bon compte de la part du marché, le dollar qui effectue donc un rebond technique face à un euro qui consolide bizarrement, car en effet, on l'a appris ce matin, à 11h, donc le taux de croissance de la zone euro a été revu à la hausse, même malgré cela, le taux de change euro-dollar qui consolide sous la forme, notamment, du point de vue d'analyse technique, d'un drapeau. Donc attention à la reprise haussière, qui est probable. Alors, en effet, nous avons bien notre drapeau. Alors bien qu'il y ait quelques mèches, hein, mais l'intention, je dirais, semble être la même. À court terme, donc, c'est un trading range qui s'est formé. Voilà, trading range donc avec un niveau de support à 1,1325 et un niveau de résistance à, on va la mettre ici en prenant en compte certaines mèches et certains cours de clôture. Et donc la résistance à 1,1380. Donc attention à la reprise haussière, puisque je rappelle que le drapeau est une figure de continuation. Et donc en effet, le taux de change euro-dollar, que ce soit du point de vue de l'analyse fondamentale ou du point de vue de l'analyse technique, conserve a priori un potentiel de hausse. Excusez-moi, toutefois prudence au RSI. Le RSI en H4 qui a croisé à la baisse la borne 70. Donc c'est peut-être le petit bémol de cette stratégie, mais le marché qui semble tout de même orienté à la hausse avec notamment alors ce qui n'est pas mais ce qui ressemble, ce qui est tout proche d'un Marubozu aussi. Alors rapidement et j'en profite pour remercier Pado pour ce message, hein, ce message qui fait plaisir sur le chat.
Alors, un mot sur les matières premières, de façon à avoir un point complet, finalement, un résumé du moins complet. Et voilà, c'est l'information, le pétrole qui, alors, la bougie en cours, la séance n'est pas clôturée, mais qui franchit les 50 dollars, qui est en train de franchir les 50 dollars, le baril. Le Brent, ils avaient déjà franchi ce matin, on l'avait suivi ensemble dans Commodities Market Report. Et même le Brent hein, qui franchit les 51 dollars. Donc le Brent semble enclencher sa marche en avant, de même que le pétrole. Comme je le disais, en termes de cours de clôture, le cours du pétrole a tenu malgré finalement des séances volatiles avec notamment les stocks de pétrole la semaine passée, jeudi dernier, avec également la réunion semi-annuelle des pays membres de l'OPEP. Malgré cela, le cours du pétrole a tenu ce niveau de support, ce seuil d'inversion de polarité à 48,75 $ le baril. Et donc, cela confirme mon biais haussier sur le cours du pétrole. Et donc, à moyen terme, je vise 54 $, aussi bien pour le Brent que pour le WTI. Le cours de l'once d'or qui est certes baissière, mais qui rebondit comme vous l'a montré hein, ce matin, cet après-midi, Vincent. Ce matin plutôt, sur ce point haut du 26 mai dernier. Ce point haut à 1234 $. Première réaction, le marché a effectué, a formé même un marteau, et donc marteau qui est une figure de retournement. Donc en effet, à court terme, d'ailleurs on voit un H4, le marché repart à la hausse, à court terme, en effet, cette résistance, puisque cette résistance court terme s'est formée à 1246, est ma prochaine cible. Là, c'est pour du très court terme, je dirais. Mais en effet, sur du moyen terme, et si ce mouvement se poursuit, 1257, 1258, même voilà, ce niveau de résistance paraît en effet atteignable par le marché. Voilà donc pour l'once d'or, pour finalement ce résumé hein, de la séance, que ce soit au niveau des bourses, du forex, des matières premières. Peut-être une question ensuite, je laisserai l'antenne. Et question de la part des visiteurs. Bonjour, US Oil à l'achat. Quel objectif peut-on viser? Alors, tout dépend de votre horizon de temps. Si l'on se positionne en swing, en tout cas, là, je vais vous donner un objectif swing. Il est à 54 $. 54 $, donc qui est ce niveau de support qui servait ensuite de résistance. C'est à présent de résistance potentielle. Voilà. On va tout de même rajouter une moyenne mobile 20 jours. Mobile un jour qui est toujours intéressante et ce qui soutient parfaitement le marché. Qui soutient parfaitement le marché. Peut-être pas parfaitement, mais en tout cas qui soutient bien les marchés. Voilà. Beau niveau de support que représente le WTI, qui représente la mobile 20 jours, ce qui est plutôt bon signe. En H4, alors, en H4, je dirais tout dépend encore une fois de votre horizon de temps. Là, ça ne dépend pas du temps, car on peut avoir une vision en H4, mais pour finalement une position swing. En tout cas, en swing trading, donc c'est-à-dire dans les prochaines séances, prochaines semaines hein, plutôt, les 54 $ me paraissent atteignables. Alors. Dernière question après, promis, je laisse l'antenne, et c'est Stéphane, concernant la USD, vous le voyez corrigé à la hausse, jusqu'à quel niveau? Alors, ce n'est pas une correction sur la USD, enfin, quoique, il s'agit plutôt en fait de ce rounding bottom dont la ligne de coût a été franchie, rounding à la ligne de coût à 0,7390. Mon objectif se situe à 0,7515, tout simplement ce niveau de résistance. Niveau de résistance que je vous présente sur mon graphique. Nous avons le rounding, le pullback, puis le franchissement. Donc, en effet, l'AUD/USD qui, d'ailleurs, regardez l'indicateur RSI, pénètre en zone de surachat et donc ce qui semble être plutôt bon signe pour ce taux de change. En tout cas, ma cible est la zone 0,75, 0,75, 15 en swing, bien évidemment. Alors, plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire, cette Closing Bell. Donc, on se retrouve, comme je le disais, à 18h sur GoToWebinar. Ne vous trompez pas, pas dans cette salle de trading, mais sur GoToWebinar. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous ai mis le lien sur le chat. Il est également disponible en top du site dailyfx.fr. Vous retrouverez hein, cet article Livre Sterling. Donc, je vous propose une analyse GBP/USD. Je reviens notamment sur les fondamentaux et les différents sondages apparus au Royaume-Uni concernant le Brexit. Et ça est également le thème du webinaire de ce soir. Donc, on analysera les différentes réactions des marchés
avec notamment les sondages, les réactions du marché, les sondages, les derniers sondages finalement. On analysera également, on tentera du moins de dégager des stratégies de trading en amont du 23 juin, du référendum du 23 juin, et on analysera, on étudiera les différents cas de figure possibles suite à ce Brexit en tentant de se projeter justement sur des stratégies de trading à mettre en place au lendemain, en tout cas suite à ce 23, à ce 23 juin 2016. Merci à toutes et à tous. Alors je reste à votre disposition sur Twitter, à Duavnizar et sur les différents réseaux sociaux. Très bonne soirée et à tout de suite donc pour le Brexit et pour les autres. À demain 10h15 pour le Commodities Market Report.